Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens y font. C'est-à-dire qu'ils sont acteurs, ils essayent. Je trouve que les gens n'essayent pas assez. C'est ça vraiment qui m'intéresse. Et ce qu'on va faire, on va choisir deux personnes. Qui voulez-vous prendre? Monsieur, par exemple. Monsieur, d'accord. Et on va faire. Mademoiselle. Et voilà. Donc, enchanté. Bonjour. Votre prénom, c'est Sarah. Sarah, enchanté, Sarah. Est-ce que vous avez votre téléphone avec vous? Oui. Très bien. Il y a un code? Non, non, vous avez juste code. À... Oh, c'est bien. Ok, voilà. Ok, c'est très bien. On va... tenez, venez. Vous allez prendre le téléphone de monsieur. Et par rapport à votre intuition, vous allez... Vous avez sur sonnerie, sur... on vous porte dans votre téléphone au cas où ça fonctionne. Oui. Ok, concentrez-vous. Pensez d'abord au premier chiffre de son numéro de téléphone. Bon, ça c'est facile, c'est un zéro, mais... Voilà. Je dirais 07. Ne dites rien. Ne dites rien, juste faites ce qui vous vient. D'accord. Allez-y. Tapez le numéro. Vous êtes rapide. Vous êtes sûr? Bien. Alors, on va appeler. Vous êtes sûr? Vous voulez pas changer? Aucun chiffre? Non, non. Je vais essayer. On va essayer comme ça. Ouais. Vous êtes quel signe? Taureau? Scorpion. Scorpion. Ouais, c'est des gens qui foncent. Ah ouais, quand même. Bravo. Bravo. Écoutez, je suis bluffé. Incroyable. Bravo. On va éviter de faire ça avec ma carte de crédit, par exemple. Oui, d'accord. Ça me donne des idées. C'est prodigieux, ça, Christophe. C'est prodigieux, c'est ce qu'il a fait qui est prodigieux, voilà. Bah ouais, il s'est connecté à quelque chose, du coup, il a... Bah, il était très rapide, donc c'est-à-dire que vous avez déjà tout de suite une intuition sur ce que vous alliez taper. Oui, j'ai fait vraiment au feeling. D'accord, c'est intéressant. Bon. Eh ben, incroyable, on peut l'applaudir. Hein. Bravo à Olivier. Et bravo à Christophe, évidemment.